Salut la team. Y a pas de musique de jeu. Ça c'est bizarre par contre. Ah, attendez, je suis en train de voir. Projecteur. Pourquoi on n'entend pas le son du jeu? Par exemple, je fais ça. Aucun son. Et ouais, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Ah, c'est moi, j'ai rien de comprendre. Je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de son depuis tout à l'heure. C'est parce que tout simplement, ça, je cache. Ça, j'affiche. Et logiquement. Logiquement, on est censé avoir du son. Quoique. Ok. Voilà. Nickel. T'as vu ça? Salut Caris. Ouais, il fallait un peu de changement. Peut-être baisser un peu la luminosité. Voilà. Ouais, il est passé à la trappe. Et ça fait longtemps, je crois, que sur la chaîne que j'avais pas fait ça. J'avais tout rasé. Comment tu vas du coup, Caris? Je crois qu'il y a Geoffrost qui est en live aussi là. Mais ouais, du coup là normalement vous avez le son du jeu, vous avez tout et tout est nickel. Donc en fait aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live sur Call of Duty Mobile. Donc là à 17h30 comme d'hab. Ok, et toi? Bah écoute, ça va, surtout qu'on va faire un petit tirage. Et je vais enfin obtenir un tirage que j'avais pas complété depuis un bail. Il s'agit de la PC Keeper MK2 mythique que je souhaitais obtenir depuis un bail. Il y a aussi un nouveau tirage qui est sorti aujourd'hui, mais ça c'est par rapport à la saison qu'on fera un peu. On va faire 2-3 trails, je pense. On verra. Tout dépend de combien de CP il va me rester à la fin du tirage mythique. Mais ouais, c'est ce qu'on va faire. Et puis voilà, après la nouvelle saison, c'est la semaine prochaine. Il y a la nouvelle saison de Clash of Clans qui est sortie aujourd'hui. Et donc ce soir, n'oubliez pas, il y a un autre live sur présentation de magazine à 21h15. Voilà. Aujourd'hui, il y a deux lives de prévu. Demain, il y aura la rediff à 14h30 du live qu'on fait actuellement sur Call of. Et après, on terminera la semaine par. Du Clash Royale et du Spider-Man Miles Morales. Voilà. Samedi soir, il y a aussi le short à 18h. Mais voilà, c'est ce qu'on va faire durant ce live-là. On va faire du coup le tirage de la PC Keeper MK2 que je vais faire en entier. Dans tous les cas, même si il me reste un try, on le fera. Comme ça, on pourra enfin tester l'arme en game, sachant que j'ai le diamant de débloqué. Essayer de débloquer ce week-end d'autres camos par rapport à cette arme là, comme ça je pourrais tout tester et peut-être vous faire un short la semaine prochaine par rapport à cette arme mythique. Ça pourrait être intéressant. Et puis voilà. Et je pense qu'on va jouer en Battle Royale vu que je suis pas encore en légendaire. J'ai pas trop joué ces temps-ci à Call of, en tout cas sur cette semaine là, vu qu'il y a eu pas mal de sorties de saison.
Sortie de série aussi, il y a la série One Piece qui est sortie. On pensait que c'était un film, mais en fait c'est une série. Donc sortie sur Netflix. Il y a aussi la saison 8 de The Flash. Il y a pas mal de choses, sachant que j'étais en train de suivre aussi la série de Korra. Ça fait beaucoup trop de contenu d'un coup. Mais voilà, ça va le faire, ça va le faire. Donc sur ça, c'est parti. On se lance le tirage. On se lance le tirage. Sachant que j'avais déjà un peu avancé le tirage avant. Donc là, je vais vous mettre la cinématique et après, on va rechecker un peu vite fait les récompenses. J'aime plutôt bien le design qu'il y a sur les bras du skin. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a eu plusieurs versions hein, de ce tirage-là. Ça, c'était encore une nouvelle version, mais que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Alors, je sais plus depuis combien de temps. J'avais déjà pas mal avancé le tirage. Après, j'avais pas pu continuer plus loin. Dans un premier temps, il y avait cette animation-là. Avec la grenade. Il y avait ce véhicule-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait là, on avait les gunbox. Après la petite carte d'agent qui est plutôt pas mal, qui est vraiment sympa, qui reprend un peu les codes de ce qu'il y a dans le tirage mythique, avec le casque du skin et la pierre qui se trouve forcément dans l'arme mythique. Ça, je ne l'ai pas encore débloqué. C'est un petit porte-clés. Mais comme il y a déjà eu d'autres tirages avant, c'était un tirage normal à l'époque, hein, je crois, hein, si je me souviens bien. Il y avait un autre porte-clés que j'avais débloqué. Petit parachute. Là, c'est le skin du tirage. Mais je pense que si je débloque l'arme mythique, c'est pas sur ce skin-là que je mettrai l'arme. En plus, on dirait Hercule. Le skin, le gars. Petite mitrailleuse, celle-là, c'est la. C'est quoi déjà? C'est la. Holger. Holger 26, châtiment. Ce qui est dommage, c'est que le skin n'est pas animé. Hein. Il est vraiment. On va dire très bof. Vraiment, le tirage, là, en fait, est vraiment intéressant, juste pour l'arme mythique. Sachant que je crois qu'à l'époque il n'y avait pas d'animation d'armes, donc ils ont rajouté une animation d'armes pour l'arme mythique. Juste avant de vous montrer du coup la Peacekeeper, en récompense j'avais quoi à l'époque? Parce que je sais qu'il y avait un porte-clés. Je ne trouve pas ici. Ça se trouve où comment déjà? Ouais, ok. Porte-bonheur, porte-bonheur, porte-bonheur. Je sais pas si on va le voir directement. Mais normalement, c'est un porte-bonheur légendaire. Il doit sûrement se trouver sur un. J'ai dû le passer. Voilà. Donc il y avait déjà eu un tirage et il y avait ce porte-bonheur là.
Après, je sais plus, je crois qu'il y avait d'autres récompenses. Mais je m'en rappelle plus trop. Faudrait revoir les anciens lives. Je vous montrerai après le nouveau. Quoique je vais vous le montrer maintenant. Non, juste après. On verra après. Donc à chaque fois, je pense qu'à chaque élimination, tu as différents combos. En tout cas, la lumière de la pierre change au fur et à mesure du nombre de kills que tu réalises. Donc là, c'est l'animation de l'arme. Et donc voici l'arme de plus près. Donc plus on améliore le palier de l'arme mythique, plus on a des récompenses pour la personnaliser au niveau de l'équipement. Donc là c'est les autocollants. Et il y a juste des autocollants pour pour ce palier-là? C'est pas intéressant du tout. Ah, c'est qu'au troisième palier on a ça. Ok. Donc à mon avis, ça c'est pour faire des kills à longue distance. Ça c'est le porte-clés, ok. Ok. Et du coup, ça fait partie des armes rares mythiques, vu que ça faisait, je crois, partie des premières. Hein. Ça doit être la deuxième. La deuxième arme mythique sortie, c'était la Peacekeeper. Donc, j'espère qu'on aura soit du troisième ou deuxième try. Enfin, deuxième, troisième try. Par rapport aux trois tries qui me restent à faire. Si je peux avoir la Peacekeeper direct, ce serait nickel parce qu'après le skin et le porte-clés, je vais pas m'en servir. Donc on va croiser les doigts pour essayer d'avoir la Peacekeeper, les gars. Vous êtes prêts? On va la lancer, je pense. Là, c'est parti. J'avais dit pas le porte-clés. Pas de chance. Je sens qu'on va faire tout le tirage. C'était sûr. 5800, ça fait mal. 5800. Mais je vous dis, en diamant, elle doit être la Peacekeeper MK2 Artefact. De toute façon, je crois que je vous l'avais dit dernièrement, hein, si jamais il y avait le tirage de cette fameuse Peacekeeper que je voulais depuis un moment, s'il revenait, j'allais pas passer à côté. Donc chose faite. Nous voici avec la Peacekeeper. Ah, ça coûte juste 20.
Je comprends pas pourquoi je peux pas. Pour l'instant, on va le mettre sur la Gurdy 0G. Donc là, en fait, ça c'est juste pour des autocollants et ça sert vraiment strictement à rien, quoi. Et après... Ah ouais, ça passe de 20 directement à 100. 340. Ça va jusqu'à 1003. Non, 1980. Waouh! Alors que pour certaines armes mythiques, ça va jusqu'à 1200, par exemple pour le Snipe. Là, du coup, je peux mettre enfin son petit porte-clés d'origine. Les autocollants, on s'en fout un peu. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir avec les différents camouflages. Ouais, franchement, là, ouais, ça, elle a plus de flow avec les autres camouflages. Donc en or, déjà, ça tue de fou. C'est en platine. Damas, ouais, c'est ça. Diamant. Ah, quand même, j'hésite entre l'or et le diamant. Le diamant, il est pas mal, hein. Mais je trouve qu'en juste en or, elle a du flow. Mais en diamant, elle est pas mal aussi. Vraiment, là, le bleu, il ressort super bien au niveau de l'arme. Parce qu'avec son skin d'origine, elle donne pas trop envie. Hein. Parce que si je fais un petit retour en arrière. Tu vois, tu vois qu'il manque quelque chose. Ok, donc ça c'est avec le cristal d'éther. Éclair rouge. Bon, tout ce qui est skin éclair rouge, en tout cas de la saison 1 et saison 2. Enfin des fameux... comment dire? Bah, des parties classées en MJ et en BR. Donc il y avait des saisons par rapport à ça. Notamment la saison 1 et 2 qu'on peut plus obtenir en skin apparemment. Enfin dans les coffres. À moins que ça change, peut-être. Mais pour l'instant c'est le cas. En 11 de glacière. Ah là en... Polychromatique, c'est pas dingue, hein. Même si c'est un camo que j'aime bien, le chromatique. Magma, ok, ouais. Magma brûlant. Émeraude dorée. Fluorescence. Agression, pixelisée. Et faire des vagues. Ouais, en vrai, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment soit l'or, soit l'or, soit le diamant. Bon, déjà, on va tester sans les deux. Après, on va tester avec l'or et après, on testera avec le diamant. Je pense qu'on fera trois parties en BR. Il faut que je la mette en BR, du coup. Je la mette en BR. Mais je suis content, enfin débloqué.
Ça, c'est validé. Juste, je vais vérifier si 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est mis. On est OK pour ça. Donc, on va la mettre aussi en Battle Royale. Fusil d'assaut, Peacekeeper. C'est une arme que je jouais énormément quand elle était sortie. Et là, ça va être l'occasion vraiment de. Ce sera l'occasion de rejouer à fond avec. J'ai eu des cartes de niveau de passe de combat. J'avais pas fait gaffe. Ça tue? Bah ouais, on va remplacer par la M13, hein. Ah ouais. Déjà comme ça, elle avait du feu de fou. Bon, pour l'instant, vas-y, on va mettre la version diamant directement là-dedans. Comme ça, on la teste directement en diamant. Ah ouais, le silencieux, faut le débloquer. Ah, c'est nul. Et du coup, je suis obligé de le laisser comme ça. En vrai, je me demande ce que ça fait si je la mets dans la main. En vrai, ça rend bien. Ah, franchement, comme ça, elle a du flon. Comme ça, j'en profite, je vous montre aussi ce tirage-là. Donc, tirage qui est sorti aujourd'hui, donc qui se nomme Fleur Tropicale. Donc là-dedans, on a une PKM Fleur Tropicale. Franchement, le skin, il est pas dégueu, hein. Franchement, il est vachement bien. Et ça représente bien les couleurs de l'ananas. Là, on a un petit shorty. Ce qui est bien, c'est que tu vois, t'as un mélange, t'as un skin animé et à la fois non. Et ça rend plutôt bien. Parce qu'on dirait que t'as du jus d'ananas qui circule dans l'arme. Ça, au début, je croyais que c'était une arme. Alors que c'est juste un porte-clés. Mais vraiment, ils auraient dû faire une grenade comme ça. Hein. Ça aurait été nickel. Ça aurait été une tuerie. Petit sac à dos douce brisé d'été. Oh, il est petit, ouais. Ah, mais il y a un petit côté là, à l'intérieur. On dirait une noix de coco.
Zoé, fleur tropicale. Et bien décoré, hein. J'adore le détail ajouté au niveau des bottes, du skin avec les petites fleurs. Je trouve que c'est vachement bien. Et le petit collier de fleurs et les fleurs sur les cheveux, là, c'est... Non, franchement, c'est un bon mélange, hein. Franchement, le skin, il est bien réussi. Je dirais pas non pour le débloquer. Petite carte d'agent. Les bananes sont surcotées. Un petit singe. Singe guerrier. Petite animation. Avec une ananas. Ah ouais, elle est sympa. Bon, ça marche pas trop sur le screen. Mais ouais, je dirais pas non pour l'animation. L'animation, le skin hippique, ça pourrait être bien. Vraiment, le petit porte-clés, ça peut être bien aussi. Ok. Ça, c'est le capteur cardiaque. Un petit skin pour l'hélico. Plutôt sympa. Mais pas foufou non plus. Et du coup, l'arme légendaire de ce tirage-là. Mince. Donc ça, c'est... Le M2 jus d'ananas. Vraiment, ils font des skins d'armes, mais c'est hallucinant. Les détails que t'as dessus. Avec le jus d'ananas qui déborde de partout, on dirait du miel, mais en fait non. Avec les fleurs au niveau de la poignée. Le viseur. C'est trop bien géré. Même la crosse là. Ah, style de fou. Oui, forcément, faut qu'on fasse le tirage. Allez, c'est parti. Ça coûte 1 CP le premier try, donc ça vaut grave le coup. Yes! On a le skin. Ah, c'est une tuerie! Ah, c'est une tuerie, c'est trop bien. Merci Caris. Ah, ça fait plaisir, hein, parce que franchement, il est sympa. Hein. Je le voyais tourner pas mal de fois au niveau des bandes annonces et tout. Même sur l'écran de chargement du jeu, on la voyait vraiment en avant. Je crois que c'était en bas à gauche de l'écran. Et je suis trop content d'avoir débloqué. Ah, ça, c'est trop bien. C'est carré de malade. Un petit peu moins fan. Un peu moins fan de l'hélico. 70! Ah, j'ai moins 50! Ah bah, vas-y. Hein. Là, c'est intéressant. Là, ça, je valide. Porte-clés, ça fait plaisir. Ah, place de Lico, j'aurais bien vu.
J'aurais bien voulu avoir l'animation, ça aurait été nickel, hein. Si j'avais eu le skin, le porte-clés et l'animation, ça aurait été nickel. Mais ça va. Franchement, sur 3 tries, on va s'arrêter là. Ah oui, il y a ce skin, il y a ça aussi qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a là? Je regarde s'il n'y a pas. Je regarde s'il n'y a pas des trucs intéressants de ce côté-là. Par contre, je crois que j'avais vu une caisse, je sais plus quand. Elle était grave sympa. Ah, j'espère qu'elle n'a pas disparu, j'aurais le seum. Ah voilà. C'est ça que je voulais tenter. Parce que t'as des skins en mode manga sur les armes et ça c'est grave intéressant. Et vu qu'on peut en tenter 4 sur 10 tries. Oh, ah ouais attends, non mais t'as le katana en mode. Mais non. Katana matière noire. Ah ça il me le faut direct. Ok les gars, bah faut qu'on se tente le katana matière noire. Faut vraiment qu'on se tente ça. C'est parti. Ah ouais, d'accord, la carte d'agent. Un peu chelou, mais stylé en vrai avec. Mais chelou la position du. De la meuf. Ah, mais j'ai deux cartes d'agent carrément! Mais c'est trop bien! Ok, bah déjà on commence. Ça c'est plutôt positif. Là, c'est pourri. C'est nul à chier. Ok, sniper, ouais. Ah, c'est pas le katana, c'est pas le katana. Mais ça va, je crois que c'est pour la nouvelle. Je crois que c'est une mitra. C'est pour la nouvelle mitra, donc ça fait plaisir, ça fait un skin stylé. Eh, mais est-ce que j'ai appelé ces guépards matière noire? Ah ouais, mais le problème, c'est que c'est des skins. Problème avec ces skins-là, tu peux pas mélanger avec des skins mythiques. C'est dommage. Parce que ça sur un skin mythique, laisse tomber. Mais je crois que c'est un des meilleurs skins qu'il y a dans Call of. Hein. Matière noire, c'est. Vraiment, il envoie, il est trop stylé. Et dernière chance pour voir le katana. Petit raid de Geoffrost, à ce que je vois. Et un petit abonnement. Non, c'était pas un abonnement, donc c'était bien le. Je crois que c'est un raid. Ça m'a affiché. Salut Soskebab, c'est tout le monde. T'as déjà terminé ton live, Geoffrost? Il est pas si vite. À moins que tu vas en relancer un autre sur FIFA. Salut Pop Slafwin. Bienvenue sur live, salut Killarn. C'est mon petit Geoffrost, comment ça va? En raid, je vois ça, j'ai vu le petit raid, ça fait super plaisir. On était sur FIFA. Ah, vous étiez déjà sur FIFA?
Et du coup, t'arrêtes totalement ou tu relances un autre live? Au moins que c'était juste un petit live aujourd'hui, tu voulais faire. Ah, là, c'est bien. Là, on s'est débloqué. La K117 école. École est finie, c'est trop stylé. Même si on n'a pas eu le katana là. Mais de toute façon, j'ai encore 18 jours pour le faire à fond. J'ai refait des nouveaux overlays pour les lives. C'est ça. Moi, je suis en train de réfléchir en ce moment pour changer l'intro, l'outro, tout ça. Enfin, peut-être changer ça pour le mois de pour la nouvelle année. Mais faut que je trouve une nouvelle façon de faire et faire vraiment un truc intéressant. Il mélange Lego, animé. Par rapport du coup au figurine pop, c'est pour ça que je voudrais faire un truc comme ça. Et jeux vidéo. Faudrait que j'arrive à créer une intro comme ça en fusionnant ces trois types de contenu. En tout cas, bienvenue à tous, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux si il y en a qui viennent de rejoindre. Là, on vient de se faire le petit tirage de la PC Keeper MK2 Mythique Artefact qu'on va tester en BR. Juste là. Et ce soir, si jamais vous voulez passer sur un live et que vous faites rien et que vous êtes fan de Lego, je serai présent à 21h15 pour la présentation d'un nouveau magazine. Sur YouTube, pas sur Twitch cette fois-ci. Donc voilà, là on va se lancer la game, je pense. Je crois que j'ai tout préparé. Non, on va pas se lancer en zombie. Et attends, le tournoi il a pas encore commencé. Comment ça, quelle heure? Dans 1 heure, ok. Donc ouais. Let's go. Contract accepted. Ah, tu l'as pas encore terminé le temple de la célébration? Tu l'as pas encore finish. Sur YouTube. Tu fais ça demain à quelle heure? Demain après-midi, ok. Donc tu vas sûrement le lancer à 14h30. Ok. Bah demain, j'ai une rediffusion à 14h30. C'est le live de ce qu'on est en train de faire là. Et du coup, à mon avis, pendant que la rediffusion est en route, je serai sur ton live en même temps. Ou plus, ouais. Ok, ça marche. Bah, 14h30, c'est la rediff. Donc, je serai présent sur ton live à ce moment-là, je pense. En même temps sur ma rediff. Je ferai les deux en même temps. Du coup là on est classé quoi déjà, je m'en rappelle plus. Ouais, je suis monté grand maître 3 et j'avais passé bientôt grand maître 4. Donc on n'est plus trop loin du légendaire. Et donc bah c'est parti hein. J'ai hâte de tester l'arme mythique. J'ai trop hâte. Mais attendez, j'ai. Oh, je suis trop bête. Faut que je quitte. J'ai oublié de connecter la manette. Faut que je relance le jeu. J'ai zappé. Parce que si j'oublie de. Allez, c'est parti.
Pas plaisir, il y a du monde. Du coup, comment ça va les gars? Quoi de neuf de votre côté aujourd'hui? Comme ça, là, je peux tester le son. N'hésitez pas à me dire hein, si le son du jeu, ça va pas. Pourquoi ça s'est pas connecté? Ah, parce que je suis peut-être pas retourné au menu. Bah, comme ça, au moins, vous pouvez voir. Ah bah je vous ai pas montré l'animation, trop tard. Il y avait une autre animation pour la PC Keeper MK2 Mythique, mais c'est pas tellement grave vu qu'on l'avait déjà checké il y a un petit moment de ça. Je crois qu'elle a été ressortie à Noël, si je me trompe pas. Ok, là c'est bon. Là, on peut lancer. Ah, sur. Tu veux dire l'abonnement? Et le Badgerin, c'est le. C'est l'abonnement le plus cher ou le moins cher? Est-ce que tu peux voir le nombre de personnes déjà abonnées, enfin abonnées sur tel ou tel abonnement? Oui, je peux voir. Celui à 0,99. Ouais, donc c'est le moins cher normalement. Ouais, ça c'est trop bien. Mais moi ça m'embête hein, de pas avoir les heures débloquées. Mais toi, t'as vraiment les 4000 heures de débloquer ou pas? Parce que c'est vrai que c'est bizarre hein, que j'ai pas les 4000 heures de débloquer alors que ça fait 4 ans que je suis Je suis présent sur YouTube. Quatre mineurs, hein, non. Ouais. Je sais pas comment t'as fait. Hein. Parce que pourtant, j'ai des gens qui me suivaient pendant des lives de 3, 4 à 5 heures que je faisais à l'époque. Hein. Donc c'est pour ça que je trouve ça super bizarre. Ah, je dois les faire en un an. Ah, c'était pour ça. Parce que j'ai fait pas mal de pauses sur certains mois. Parce que j'étais pas 4 ans à fond connecté, quoi. Si je vais la faire, mais ça craint. Ah bah, c'est trop bien. Pied. On va se poser à farm. Tant pis, tant pis. Ok, ça marche. Pas de soucis. Merci pour ton petit lurk. Jojo. Bon là, notre mission, normalement, je crois que j'ai déjà pu la croiser, c'est trouver la PC Keeper par terre, sinon on va devoir la choper dans un colis. Mais j'ai trop hâte de la tester en main. Sinon après, tant pis, on fera du multi pour vraiment la tester sur différents camos. Mais si au moins je peux la tester sur différentes games en BR, en mettant d'avancer le classé en BR, ça peut être cool. Du coup, c'est à vous de me guider, les gars, parce que j'ai pas de son. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez entendre le son du live. J'ai pas encore trouvé de solution par rapport à ça.
Ce qui est un peu embêtant. Je vous fais confiance si il y a un ennemi de côté. Mais ça va, j'accarte. Ok, attends, je me pose quelque part et je regarde ton message. Ah mais c'est vrai, j'ai oublié de mettre le camo sur la striker. Ok, je me pose en haut. Si possible. Je récupère la grenade. Et je m'allonge. Et je mets ma petite plaque. Ça va super, je suis en week-end. Jusqu'à lundi, parce que mardi, j'y vais à une conférence sur l'autodétermination. J'y vais de 9h30 à 18h45. La conférence, elle va parler sur l'handicap. Elle va durer 4 heures. J'y vais avec mon taf. Mais c'est trop bien. Ouais, sur l'handicap en général. Et ça va parler aussi des métiers qui entourent le métier de l'handicap, c'est ça? J'imagine. L'autodétermination. Oh, mais c'est trop bien. Moi, c'est un truc que je regarde dans mes études. Dans mes études d'A2SP, donc accompagnement aux soins au service à la personne. Donc, je pouvais faire des stages en EHPAD, des stages en crèche. Mais comme je suis arrivé qu'en première, si je me souviens bien, j'ai pas eu l'occasion de faire dans le domaine de l'handicap. Donc tout ce qui est les arches par exemple. Ben, ça j'ai pas pu avoir la chance de m'y consacrer parce que je crois que c'est tombé en pleine période Covid. Comme c'est tombé en pleine période Covid, bah voilà quoi, ça craint. Ouais, bah j'aurais dû peut-être garder ça. Pour l'instant, on n'a toujours pas de Peace Keeper en vue. Par contre, ça c'est intéressant. On a carrément un chargeur en or. Un chargeur légendaire plutôt. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien t'éclater là-dedans. Wesh, mais il y a combien de gens sur cette. Il y a carrément une plaque. J'ai vu qu'il y avait une plaque. Wesh. Ah, mais attends, il y a plein de trucs intéressants sur cette maison. Par contre, là, à l'intérieur, il y a trop de trucs trop bien. Hop. Ah ouais, mais c'est un chargeur légendaire et je peux pas le prendre pour. Je sais pas si on peut le prendre pour le fusil à pompe. Non. C'est un cadeau empoisonné. Ouais, non, ça on s'en fout. Okay. Par contre, j'ai vu une plaque, ça c'est super intéressant. Il me faudra un sac à dos aussi. Les gars, la PC Keeper! Oh, c'est trop bien, on a la Peacekeeper. Ça par contre ça tue. Donc là c'est sa version normale. Airdrop has been delivered. Ça c'est quand je cours avec. Et je crois qu'il y a une animation avec l'arme. Attendez, je mets juste vite fait ma petite plaque et après on voit. Oh, mais attends, on pourra même l'avoir directement en diamant, il y a un colis bien à côté de nous. Trop stylé.
Donc on va essayer d'aller là-bas, comme ça on a le... On peut l'avoir en... Attends, ah non, c'est le colis là-bas. Il y a deux colis, c'est vrai. Donc ça, c'est sa version en diamant, ok. Je crois que ça me tire dessus. Quoi? Ok. Et ça, c'est pas son amélioration au max, hein. Je sais pas si on la verra à la fin. Mais ça tue de fou. J'aurais dû peut-être garder ça. Ah, attendez, il y a du fait là-bas. Elle change de couleur. Là, elle est passée au rouge. Et plus elle change de couleur, plus t'as les particules de la météorite qui s'évaporent sur le côté de l'arbre mythique. Comme ça, on va chercher le rechargeur légendaire et servir à quelque chose. Et comme ça, j'aurai deux versions de l'arme. Vous avez vu, il y a le... Ah bah voilà, déjà ça, tu vois, il n'y a même pas besoin d'aller récupérer. Ça c'est nickel, on l'aura déjà eu. Ok, par contre je sais plus ce que je vais faire d'important, je pouvais faire un truc de spécial avec les armes.
Je vais tester un truc avec, mais je sais plus quoi. Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Je m'en souviens. Et vous avez vu, je crois que c'est le combo au max quand le combo bleu. Ah ouais, comme ça là-dessus. Mais je pense que si on améliore un peu plus au niveau des améliorations, on peut être encore bien plus badass. Ah, je m'en doutais, je les avais vus. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. À part, ah, il y a peut-être un gain. Il y a peut-être un vrai joueur parce qu'il y a un colis là-bas qui a été ouvert. Je crois qu'il y en avait un en bas. Ah voilà. Salut Bud, comment tu vas? Désolé, j'étais un peu concentré là. Il y a eu du fight. Comment tu vas Bud? Bien et toi? Bah écoute, ça va, on s'est débloqué la petite PC Keeper MK2 en mythique. Ah, il y a un petit mode. Faut
Faut que je fasse le colis, si j'ai le temps. Donc il en manque plus que un, mais je sais pas où il est passé. Il est juste là. De pain. 18 kills. Ah ouais, je pensais pas en avoir fait autant. Surtout que j'ai fait une petite trajectoire, hein. J'ai pas beaucoup bougé, hein. Tu vois, j'ai pas fait. Je suis pas allé super loin et. Et quand tu spawns à farm, tu fais masquer, non? Là, vous voyez, on voit le skin que j'ai débloqué sur le tirage d'avant, tout à gauche. Bah, si au moins on peut passer grand maître 4 aujourd'hui, ça peut être cool. La farm, c'est la guerre. Oh, bah. Normalement, de base, ouais, hein. Et peut-être que vu que c'était la première partie de la journée, c'était du safe, enfin c'était tranquille. Je pense que sur la deuxième game, si j'en lance une, ça risque d'être un peu plus chaud. Tu veux de l'aide? Bah ouais, si t'as envie de jouer, de faire des games avec moi, avec plaisir. Et par la même occasion, si ça permet de tester aussi la MK2 mythique, c'est avec plaisir. Je vais mettre cette fois-ci le skin en or pour voir à quoi elle ressemble en or. Bon, en tout cas, je suis pas déçu hein, parce que elle est vachement bien quand on change de couleur. Et comme ça fait partie des premières armes mythiques, il n'y avait pas ce qu'il y a sur les nouvelles armes mythiques, on va dire. C'est quoi ton pseudo but déjà? C'est Noob? Je crois. Normalement, c'est ça. Attendez, je vais peut-être pour une fois, on va changer de skin. On va mettre autre chose en BR.
J'ai envie de tester le nouveau skin que j'ai débloqué. Un tirage mythique. Mais en fait, il y a deux skins que j'ai débloqués. On va peut-être pas tester celle-là en première. On va peut-être tester l'autre par rapport au tirage MK2. Parce qu'apparemment, au niveau des mains, c'est sympa le rendu. Le rendu qu'il a. Je préfère que tu utilises mon code prémature. Le code il est normalement. Ah ouais, mais non, là tu l'as pas vu qu'on est sur Twitch. Pas compris. Non, t'inquiète. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je voulais faire moi déjà? Mon nuit idée, mais je sais pas, je crois que tu peux pas faire pause en plus, hein. Attends. Parce que normalement, mon nuit idée, il est dans la description sur ma chaîne YouTube. Tu peux l'avoir dans les descriptions des derniers lives. Une promesse, c'est que sur Twitch, c'est pas encore mis là, vu que j'ai pas terminé le live. Donc attends. Là-dedans. Là-dedans. ZB. Oh. On dirait j'ai grave un problème. On est clair que je suis dans le lobby. Pour moi, ouais. Pourquoi? Prémature, attends. Ce que tu m'as passé, ça marche pas, donc je te montre le mien, si possible. À moins qu'il faut que je quitte. Je crois que je suis obligé de quitter pour te montrer. Ah, là tu m'as passé autre chose. Normalement tu dois mettre. Le cadeau. Quel cadeau? Je l'avais pas débloqué en plus. Oh, il est trop stylé. Mais c'est gentil. C'est la première fois que quelqu'un me fait un cadeau comme ça. Hein. En vrai, le skin est stylé avec les tatouages et tout. Hein. Je sais même pas dans si c'est dans un tirage ou dans des coffres. Bah merci, je l'avais pas. Ça fait plaisir. Bah relance le jeu, Budin. Si pour toi t'es bloqué. Hein. Ah donc logiquement. Maranoté système 2. C'est bizarre, je peux pas t'ajouter en ami par rapport au message que tu m'as envoyé au cadeau. Mon cadeau, demande ami. Archive cadeau. C'est un peu embêtant. Attends, je vais te retaper moi les...
te retape. Non, c'était le code du cadeau. Code du cadeau. Ouais, je vois pas. C'est vrai que c'est chiant. Mais je tenais à envoyer. Ouais, j'ai reçu le cadeau, mais j'ai pas. Je vois pas de code. Regarde, tu peux le voir là, j'ai pas de code. Ah! Donc attends, c'est un code Play Store, tu veux dire? C'est un code Play Store? Non, le code du skin. Non, non, je suis pas mute, je suis pas mute, hein. C'est juste que j'étais en train de réfléchir à ce que tu me disais. Mais comment t'as pu avoir mon idée? Mais en fait, ah ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Donc le code que tu m'as envoyé, c'était le code du skin, mais t'avais eu besoin de mon idée que t'as réussi à avoir. C'est ce que t'as rentré, t'as pu me l'envoyer, c'est ça? Ta chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Donc en fait le code que je voyais que tu m'avais montré. Ok. Bah c'est super gentil alors. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Parce que j'avais pas compris au début. Tu m'as dit tiens voilà le code. Moi je croyais que c'était le code UID, mais ça ressemble pas à un code de. Ok, bah c'est super gentil de ta part. Ça fait plaisir en tout cas. Bah du coup après logiquement si t'as réussi à avoir mon idée tu peux m'ajouter en ami si tu veux. Si t'as envie de qu'on fasse des games ensemble et tout, c'est avec plaisir. Je te réinvite. Ah, tu peux pas jouer, Bud? Parce que j'essaie de te réinviter, mais. Ça a pas l'air de marcher, j'ai l'impression. J'ai pas le jeu. Ah, ok, donc c'est pour ça que tu m'as envoyé le code du skin. Mais en tout cas, ça fait. Bah, c'est. Ça fait super plaisir que ça tombe sur moi. Franchement. À mon avis, t'as dû choisir au hasard. Un live code. Bah ouais, c'est un peu embêtant qu'on puisse pas jouer ensemble. Oui, du hasard. Au hasard. Ça marche. Bah, je suis content que le hasard a fait bien les choses. Parce que t'aurais pu tomber sur un gars qui possédait déjà le skin et que du coup, il convertisse les crédits enfin, le skin en crédit, quoi. Mais ça va. T'es tombé sur un gars qui n'avait pas le skin, donc merci à toi. C'est super gentil. Donc là, on va se lancer une deuxième game de Battle Royale en solo, quand même. Et on va tester cette fois le skin du perso. Avec l'arme mythique et l'arme mythique avec le camouflage doré.
Mais c'est pas un skin rare ça, avec le code. Possible, il y a des chances. Soit c'est un... Je sais pas comment il a pu l'avoir. Parce que c'est un skin que je crois que j'ai déjà vu, soit dans un tirage, soit dans des coffres. Des coffres de la boutique de Codem. Time for the mission. Get ready. Ah, par contre, dans le noir, ça rend trop bien. Je crois qu'on va aller... J'étais parti de base pour Lodge Base, mais je crois qu'on va plus aller sur Black Market. T'as le skin en arbre. Je vois pas de quel skin tu me parles. Je crois que là vous n'allez pas trop m'entendre parce que je suis en train de faire le saut de saut. Ouais, donc je disais Bud, je vois pas de quel skin tu me parles. J'ai pas son nom. Skin avec l'arbre. Pour moi, ça me dit rien. Un skin qui ressemble à un arbre. J'ai envie de tester une animation pour voir. Bah j'irai voir juste après si tu veux. Là, vu que je suis en game, je t'avoue que... De nom, même de nom, je saurais pas retrouver. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on retrouve... une PC Keeper. Pour l'instant... J'ai que de l'ISR1, pas intéressant. The safe zone is collapsing. C'est en train de partir. Ah, franchement, il rend bien. Je crois
crois qu'on n'a pas encore testé la version. Cette version-là. Parce que normalement, tu vois les mains en. Je sais pas si j'ai le recul de. J'ai recul, hein. Ouais, là on voit bien les mains. Là on les voit super bien. Bien. Bon appétit à ceux qui vont manger. Ouais, moi c'est dernière partie, après j'arrête le live et on se retrouvera à 21h15. C'est moi, il y a un gars pas loin là. Ok, ça marche. Ah, yes. Ok. Airdrop incoming. Enjoy your trip. Faut qu'on prenne les colis aussi au bout d'un moment. Et plus proche, ça va être là-bas, mais il y a du monde. Sur cette partie-là, ça va être assez compliqué. Problème, c'est que j'ai pas retrouvé de plaque. Pas retrouver de plaque et j'en ai besoin d'une. Peut-être au niveau de la tour, mais ah, je croyais que c'était une plaque et non. Mais vite, c'est la zone. Airdrop has been delivered. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on trouve un véhicule. Rebude. Là, qu'on regarde bien. Ah ouais. Il va dans ma direction, j'ai l'impression. Airdrop incoming.
chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. En plus, c'est la zone qui va bouger, je vais être dans le brun. The safe zone is collapsing. En vrai, si je vais, ouais, si je vais par là, c'est bon. Je serai dans la zone. Airdrop incoming. On l'a vu, on l'a vu. Airdrop has been delivered. Ah, il est à côté, hein. Il s'est posé sur le toit? Airdrop has been delivered. Je crois que j'ai vu à travers les fenêtres. Hein. Je crois qu'il m'a vu le gars. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Ok. Le gars d'hélico, je sais pas où il est parti. La Grinch de M2E3, la chance.
C'est sa version dorée, ok. Je crois que j'ai pas récupéré toutes les plaques qu'il y avait à récupérer là-bas. Attends, c'est moi, il se trouve dans la zone là. Ok. Down to the last five players. Il y en a toujours un avec l'hélico là. Le Tibère. C'est moi, j'ai vu un gars en face. Il est plus en hélico, il est parti où l'autre? Airdrop incoming. Chip terminal almost ready. Airdrop has been delivered. L'enfoiré! Bah oui, mais comme j'entends pas les sons, j'entends pas les tirs derrière. Fais chier. C'est pour ça que c'est chaud de jouer en BR. Quand je live en même temps, vu que j'entends pas le son du jeu, c'est chiant. Bon, ça va, top 4, c'est déjà bien. Et comment il m'a surpris derrière. Je suis dégoûté, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le réflexe d'aller dans le conteneur. Enfin, j'ai eu le réflexe que trop tard. Il est où le skin mythique que je mets d'habitude? Il est là. Vas-y, on va la tester en multijoueur. Fait juste une partie en multijoueur, on la teste. Vas-y, on va faire du parti classé. Fait les gars, je vais manger et trick skin. Ouais, c'est ça, t'as vu. Mais ouais, je vais devoir vous laisser, les gars. Faut que j'aille manger. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à like. Non, c'est vrai que c'est sur Twitch. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. Voilà, c'est très important pour débloquer les trophées, pour que je puisse obtenir certains avantages pour améliorer le chat en live. 21h15, c'est présentation d'un mag. Comme là.
C'est présentation d'un magazine, du coup. Merci Tiber pour ton abonnement et on se retrouvera, je pense, à la semaine prochaine pour du Call of. De dimanche, ce sera du Clash Royale. Voilà. Donc ouais, pour les nouveaux, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube. Je relive ce soir à 21h15. Vous avez aussi le serveur Discord et le compte Instagram. Voilà, si vous voulez me suivre activement sur d'autres plateformes, tout simplement. Donc moi sur ça, si je vous revois pas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à checker mon dernier short. Et demain, il y a une rediffusion sur YouTube à 14h30. Voilà. Pour ça, team. Bonne soirée à tous. Ciao. Raider.